Bonjour tout le monde. En fait, les commentaires là me font rien hein, pour en parler. Vous venez dire en même temps, vous venez faire résumer à ma place. Non, mais en fait, je fais le direct pour juste vous dire que ça va quoi. Alors, ça va, ne soyez pas distrait, restez concentrés sur l'événement. C'est après-demain. C'est après-demain, c'est déjà arrivé. Je suis un être humain, c'est normal, je peux me fatiguer. Je peux me fatiguer, mais ça ne veut pas dire que je suis fatiguée en même temps, je meurs un coup. Non. Je vais me fatiguer, je vais me remettre. Le samedi, là, même si je dois aller là-bas avec tonne de vitamines, j'ai versé devant moi. Tonne de vitamines, là. Je vais prendre tonne de vitamines, là, pour partir. Mais de toutes les manières, ce 21, mais je serai au palais là-bas. Je vais faire le spectacle là, propre. Puis maintenant, après, si je finis de faire maintenant, que je tombe, ça, c'est autre chose. Si je suis tombée maintenant, c'est pour moi seul. Mais je suis concentrée, ne vous inquiétez pas. Je suis un peu fatiguée, mais ça va passer. Voilà. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Tout ce qui était en mon pouvoir, en tout cas, ce que je pouvais faire, j'ai fait. J'ai fait ce que je pouvais. Donc, actuellement, là, la balle est dans votre camp. Faites ce que vous pouvez aussi. Et puis, on se donne rendez-vous le 21 mai au Palais de la Culture. Excusez-moi, quoi? On n'est pas en train de parler d'affaires d'enceinte ou pas. On est concentré sur un événement. Aïe. Est-ce que les gens vont au palais de la culture pour aller voir si je suis enceinte ou bien si j'ai mal à la tête ou bien si je suis quoi? Non. On va, les gens ont payé leur argent pour que je leur donne un spectacle, voilà, de qualité. Et c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Donc, rendez-vous le 21 mai. Voilà, je serai bel et bien calée. La fatigue, c'est humain. Ça va passer. Donc, on reste concentré. Juste pour vous dire que arrêtez de réfléchir trop. Voilà, prenez vos tickets, mettez vos tickets en sécurité. Tout va bien se passer. Voilà, je voulais aussi vous dire que, comment on appelle ça, même pour la sécurité au palais de la culture. Voilà, pour toutes les personnes qui vont essayer de tomber. Voilà, il y aura la sécurité pour les personnes qui vont aller tomber là-bas aussi. Il y a une ambulance qui est mise à disposition. Voilà, au cas où quelque chose se passe au palais de la culture. Pour vous dire à quel point je pense à votre sécurité. Voilà. Il y aura la police, il y aura la sécurité du palais de la culture, il y aura une sécurité renforcée. Voilà. Pour moi, ce que j'ai demandé. Il y aura voilà, l'ambulance au cas où quelqu'un a un malaise ou quelque chose arrive. Voilà. On ne sait jamais. Donc, nous sommes prévoyants. Donc, restez concentrés. 21 mai 2022. Une histoire. On va écrire une histoire de la Côte d'Ivoire. Une partie aussi. Une petite partie, voilà, de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, venez. On va faire ça ensemble. Ne vous laissez pas distraire. Même s'il pleut couteau, même s'il neige, il neige glaçon, même si ils ont divisé ma maison, ils ont divisé, il y a un gros trou devant ma maison, je dois sauter avant d'arriver au palais, je serai au palais. Rien ne peut m'empêcher d'être présente au palais. Même si rien. Parce que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Donc, on est godo-godo pour la vie. On est godo-godo ce 21 mai. Je suis à la maison. Par la grâce de Dieu, le bébé des bébés, voilà, sera avec moi aujourd'hui. Tout à l'heure, il sera avec moi. Donc, ne vous inquiétez pas, je serai un de bonnes mains. Voilà. Pour vous dire que tout va bien, je vais faire un petit freestyle, voilà. Ce matin. Pour vous enjailler un peu, pour vous dire que je suis dans le bain, je suis toujours en bonne santé, je suis calée, rien n'est à se passer. Voilà, sale. Vos commentaires vont me tuer. Même s'il neige glaçon, je suis prête même. Je suis déterminée. Pour parler sérieusement, je laisse qu'on me dise, pour parler sérieusement, je suis déterminée. Je suis concentrée. Je suis prête. Ma vision est précise. Il n'y a pas quelque chose qui est flou dedans. Donc, quel que soit ce qui va arriver, je parle parce que je sais qu'il y a Dieu qui est avec moi. Vous êtes avec moi.
Comme je disais la dernière fois là, c'est pas Dieu qui va descendre pour dire, oh ma fille, aujourd'hui rien ne t'arrivera, aujourd'hui le palais. C'est pas comme ça que Dieu fait. Dieu passe par vous comme ça là, voilà, vous. C'est vous là, c'est à travers vous que Dieu exprime, voilà, ses grâces. Donc je sais que Dieu a déjà fait à travers vous. Le palais là, c'est déjà calé. Il n'y a pas de débat, c'est déjà bon. C'est déjà propre. C'est déjà chaud. C'est tranquille. Donc, je suis concentré. Ne vous laissez pas distraire. Voilà. Le Seigneur est avec nous. Et tout va bien se passer au palais. C'était juste pour vous donner cette information là. Je vais aller prendre, je vais manger, je vais prendre les médicaments. Je vais dormir un peu. Voilà. Et demain, je vais faire ma dernière répétition. Les dernières répétitions avec la technique et tout. Tout ça, on va gérer ça demain. Et la balance aussi. Et puis le samedi. Je suis déjà contente, au fait. Je suis déjà heureuse. Voilà. Parce que j'ai vu l'attention que vous m'apportez. Je vois comment les tickets se comportent. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Donc voilà, pour les retardataires, je pense que mon manager va savoir gérer ça. Voilà. Vu qu'on peut être en joie comme ça quand on sait que le bébé des bébés va venir. Ah oui. Voilà. Donc, mes guerriers, je vous embrasse. Je vous embrasse. Et on se donne rendez-vous ce samedi à 19h07. Je voulais préciser. C'est vrai qu'on a dit 19h07. Mais vous devez être là-bas au plus grand tard à 15h. Le palais ouvre à 15h. Pour installer 4000 personnes, ce n'est pas facile. Donc, il faut commencer tôt. Il y aura les premières parties et tout. Pour vous ambiancer. Et moi, je vais venir pour tout boucler. Voilà. Pas de désordre. Nous sommes ordonnés. Nous sommes des personnes concentrées. Voilà. On aime notre prochain. On va s'entraider. Chacun va rentrer. Voilà. Quand on te dit de passer ici, tu t'assois là, tu t'assois là-bas. Pas de palabre, pas d'animosité. Nous sommes une famille. Voilà, si on peut aider l'autre, on aide. Si on peut pas aussi, une autre personne peut aider. Voilà, on s'entraide. Une bonne ambiance, une fraternité, la joie. En tout cas, c'est ce qui doit se passer le samedi. Mes guerriers, c'est ce qui doit se passer le samedi. J'ai des bananes, j'ai des pommes, il y a les yaourts là, ils sont venus me donner. Il y a tout ça, ne vous inquiétez pas. Et puis il y a les médicaments qui sont là. Donc ça va aller. Je regarde les commentaires un peu. Je ne vais pas répondre, ne vous fatiguez pas, je ne vais pas répondre parce que ce n'est pas le moment. Je vais me mirer devant vous ici. Franchement, quand j'enlève le maquillage, j'en draine une petite fille. Bon, je vous embrasse, je vous aime. Et puis on reste concentré. Je suis une guerrière. Bon, rien ne va se passer. Ouais. Non, faut déposer nos tuyaux avant.